Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes des figurants professionnels. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est un métier facile ? Qu'il n'y a pas de métier facile et que la figuration, ça s'apprend. Savoir rester au second plan, c'est pas donné à tout le monde. Démonstration au restaurant. Ah, j'adore ce restaurant. C'est un très bon restaurant. En soirée, mais en silence pour ne pas gêner les acteurs au premier plan. À la gare ! Excusez-moi, monsieur, j'aimerais connaître l'horaire du train pour Toulouse. Oui, absolument, je voudrais celui-là. Ah non, 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 non. Oh non, c'est pas vrai, j'ai raté mon train. Non, mais je vais être en retard, j'aurai jamais ce boulot si je suis en retard. Wow, arrête-toi tout de suite, là. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es en train de jouer alors qu'on devrait que figurer. Eh ben, peut-être que la figuration, ça vaut pour vous, mais moi, je suis une actrice. Et je vais me faire repérer par le réalisateur et je vais être une star. Continue comme ça, gamine. Mais à ce petit jeu-là, tu vas vite te brûler les ailes. Promenade au parc ! Allez, attrape ! Oh, mon bon vieux chien, mais tu es impayable ! Non, mais pas dans l'eau ! Oh, j'ai tellement froid ! Non, mais c'est vrai, ils donnent pas des couvertures sur les vols courts ! Bon, je vais demander à l'hôtesse en appuyant sur le bouton. Ah, oh, zut, j'ai pas enlevé ma ceinture ! Non ! Oh, mon Dieu, il y a des turbulences ! J'aurais dû garder ma ceinture ! Ah, cette musique ! Deuxième saxo est formidable ! Vous savez, ça me rappelle la Nouvelle-Orléans ! Et ces vieux bouges remplis de beatniks défoncés à la poste de brille. Ok, c'est laquelle ? Robe blanche ? Ouais, elle ? Ok, plus. Okay, là, tu l'as ? Ok, là, ouais, nickel. Ok, silence, tout le monde, on va reprendre. Et action figuration. Je suis hors cadre ? Ouais. Un peu. Vous êtes quand même conscient que le métier d'acteur, pas figurant mais acteur, c'est encore plus cruel. Mmh. Bien sûr. Je vous le fais pas dire, j'étais la révélation masculine au César en 2004. Non, c'est vrai ? Ouais.